Toc toc badaboum Après ah, vous Je vous en prie Je n'en ferai rien Trêve de politesse Eh bien non, justement, pas de trêve. Parlons-en de la politesse, de ces usages qui semblent trop souvent aujourd'hui hors d'usage. Oui, parlons-en. Le Moyen Âge invente la courtoisie. Le mot apparaît au XIIe siècle. Il est chanté par les ménestrels, les troubadours, mais ce sont les chevaliers qui se conforment à ces nouvelles règles, celles qui imposent des égards vis-à-vis -vis des dames. Les femmes sont à l'origine de ce premier pas, mais ce n'est pas fini. Au XVIIe siècle, dans leurs salons, les précieuses inspirent la galanterie à la française, un modèle de comportement qui sera suivi partout dans toute l'Europe. Avec la Révolution, voici les sans culottes mais pas les sans valeur. On prône alors l'antipolitesse, un nouveau principe de savoir-vivre en rupture avec les mœurs de l'ancien régime. Les aristocrates sont à la lanterne, mais pas la fraternité que se doivent les citoyens, à commencer par le tutoiement, signe d'égalité, que la bourgeoisie du 19e siècle va effacer, y compris dans son intimité familiale, renouant ainsi avec les us de la noblesse. En mai 68, on ne trouve pas la plage sous les pavés. Mais on remet le tutoiement à l'honneur. Patatras. Au Club MED, le vous est le retour depuis près de 15 ans entre les gentils organisateurs et les gentils membres. À l'autre bout, dans les cités, on a inventé des codes vestimentaires ou des gestes de reconnaissance pour cimenter les liens au quotidien. Des usages communs ou des usages communautaires C'est ce à quoi répond entre autres ce dossier d'Historia, qui montre aussi à quel point on a toujours ou presque eu l'impression que c'était mieux avant, que les jeunes étaient plus respectueux de leurs aînés ou les messieurs de leurs compagnes. À l'heure où l'on parle sans cesse d'incivilité, l'Historia se penche sur cette nostalgie pour comprendre, tout simplement, à travers le passé, ce qui a l'air de tant nous faire défaut aujourd'hui. La politesse, un dossier à découvrir, s'il vous plaît, ce mois-ci.